Re. Bon, dans cette partie-là de gameplay, mesdames et messieurs, dans l'heure qui suit, on va essayer de finir la décoration et valider au moins la première carte. On va essayer, j'ai rien compris au principe de la carte. Vous comprendrez au fur et à mesure. Alors on va continuer de lire un petit peu quand même parce qu'on est là aussi pour ça. Poilours, après la Superbe Cup de Toulouse, je pouvais pas venir cette année, mais je serai au rendez-vous devant le live sur les sables chauds des îles Canaries. HK qui nous dit salut, félicitations pour ta cup. Pour ceux qui partent de Bordeaux, on essaye de faire un groupe en train pour 78€ aller-retour ajouté. Amodiax, dièse 6847 sur Discord. Vous pouvez clipper ce moment si jamais vous l'avez raté. Hamilton Kaki nous dit attends, t'es en train de me dire que c'est pas toi sur Abo avec qui je parle depuis 6 ans. Non. Zion Zion nous dit Reserator, y aura-t-il des bracelets lumineux ou des tap-tap ou quelque chose dans le genre? J'ai pas l'info précise donc je préfère pas vous dire de conneries actuellement. Voilà, j'ai essayé de choper l'info. Mais en général, on vous donne pas l'info, on préfère vous faire la surprise sur place plutôt que de vous dire ce qui va se passer. Arnicoli nous a dit je voulais venir pour la première fois jusqu'à ce qu'un handicap éphémère m'en empêche, mais les lives de mapping peuvent me distraire et je suivrai la Trackmania Cup en ligne avec plaisir comme chaque année. ZDRT Michel, merci Arnicoli. Apparemment, vous aurez des bracelets lumineux. Les tap-tap, on a un peu arrêté parce que ça foutait un petit peu la merde pour les captations sonores. Et on trouve que les bracelets lumineux c'est plus cool parce que tu peux plus le garder. C'est pour ça qu'on avait un petit peu raté les tap-tap lumineux dès la deuxième année. La première année on a fait les tap-tap, on a vu que ça foutait trop la merde. Et qu'en fait quand on disait ça va vous êtes chaud, ça faisait parce qu'il y avait 3000 personnes qui font plop 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 avec des trucs en plastique, c'était un peu naze. Donc les bracelets lumineux c'est mieux. Voilà, merci pour les 2 ans de sub. Merci beaucoup. Lord Flayers nous dit bon je claque la thune qui devrait aller dans mon abonnement. Wow, mais pour la bonne cause, force à toi pour cet événement. Connaissez-vous Twitch Prime? Merci beaucoup Lord Flayers. Incroyable. Alors, nos tap-tap. En même temps, c'était que la première année, les tap-tap, donc je pense que les gens commencent à avoir l'habitude. Ok, j'ai envie de mettre d'autres zeppelins. Ah, quelques-uns. L'idée, c'est pas que ce soit symétrique, hein, c'est de les mettre à des endroits rigolos. Pas des endroits cool de la map. On va quand même faire symétrique, c'est ça? Ouais, quand même. Non, on va enlever. Enlevons ces deux-là, faisons plutôt les quatre coins. Au milieu, on a qu'à mettre un prime, tiens. Shit. Ok. Attendez, juste un truc. Ok. Merde, j'en étais où? J'en étais là. Le vous vous êtes là a-t-il été envisagé? Non, je vois pas l'intérêt. Litoki16, enfin je vois pas l'intérêt positif, pardon. Litoki16, salut Zera, déjà de ne pas pouvoir venir cette année, mais un peu trop de bruit pour un petit 7 mois, normal, c'est une sage décision. L'année prochaine peut-être, en tout cas merci pour tous ces événements qui mettent en avant ce qui fait du gaming une passion formidable, j'ai hâte de transmettre. Bise et continue comme ça, STP. Mazitorx, on a pris nos places Kaor, mon cousin et moi pour notre première Trackmania Cup, gros bisous de Belgique à dans un mois. Trop cool! Trop cool! Et merci pour les 5 subs random, Nibblehuggen, pour la Zerator Télévision. Hop. On verra. On verra. Oh putain. Bon alors, on a bientôt fini la déco? Oui, j'ai passé le podium? Oui, tout à fait. Je pense que là on a quasiment fini, hein. Ouais, on a fini le premier tracé en termes de décoration. Faisons le tout premier tracé, celui-là. Celui-là. Bon, il me faudra un panneau aller à gauche. Enfin à droite plutôt. Est-ce qu'on le verra d'ici?
Ouais, non, pas forcément. La map sera pas trop lourde. Non, ça ira très bien. Là, honnêtement, il n'y a pas trop besoin de panneaux puisque la route est en train... Enfin, je veux dire, la route nous fait aller là où on... Enfin, je veux dire, on est obligé d'aller qu'à un seul endroit. Donc, honnêtement, il n'y a pas trop de problème. Juste vérifier le tracé. Hop là, on se calme. Bon, là, effectivement, là, il manquera un checkpoint, mais... enfin, je veux dire, il manquera un checkpoint. Il y aura des checkpoints en moins. Mais là, je pense qu'il nous faut surtout des panneaux pour tourner à droite. Parce que ces deux trucs, ils y seront pas, pardon. Voilà, je pense qu'il faut mieux faire comme ça. C'est plus simple. Peut-être en enlevant celui-là qui fait moche. Voyons. Oh, y a Papy Champi. Je viens d'arriver. Le fait d'avoir plusieurs départs, ça change quoi? Mais c'est pas le vrai Papy Champi. Non, en fait, on place 4 départs, mais ensuite on arrête. Ensuite on arrête. Enfin, on les enlève. Ensuite on les enlève. Là d'abord, on fait les 4 décorations. Bon, là on a pas trop besoin, hein. Pas trop besoin de faire plus. Y'a que ça. Y'a que ça. Pour ce premier tracé, j'ai envie de dire. Faudra juste mettre les panneaux sur les checkpoints. Mais je les mettrai, je pense, individuellement sur chaque course avant de valider parce que sinon, je vais pas m'y retrouver. On va faire ça. Je vais pas m'y retrouver. Enfin, je veux dire, après, faudra supprimer les checkpoints un par un. Ça va être vraiment plus chiant à faire qu'autre chose. C'est où? C'est là. Alright. Ah merde, on pourra pas les mettre tous. Je pense que je vais les faire que sur les checkpoints respawnables là, pour être honnête, parce que sinon, ça va être la merde à mon avis. Ça va être la merde. Bon, là, le checkpoint respawnable il est là. C'est un peu loin, mais je me dis aussi que normalement, on va pas tomber. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Modifier une map à cause d'un cut, reviens à modifier toutes les maps, ça va être assez galère je pense. Non, parce qu'en gros, une fois que les 5 maps seront créées, on modifiera plus les 5 ensemble. On modifiera les maps une par une s'il y a des cuts individuels sur chaque map. Évidemment. Ok. Donc voilà, faut pas non plus abuser dans la prise de tête. Le concept original est rigolo, et on va garder les tracés des autres cartes, mais on va pas abuser non plus. De toute façon, on va essayer de placer beaucoup de checkpoints évidemment pour... Éviter les abus dans le genre. Est-ce qu'on n'aurait pas dépassé? Mais si, on a dépassé les 5500 places vendues en tout pour la ZRT Trackmania Cup 2019 au Zénith de Strasbourg. Mesdames et messieurs, c'est incroyable, vous êtes incroyable. On aura fait 5000 places en moins d'une heure. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais le tweeter d'ailleurs. Ça va vraiment être le feu, j'ai trop hâte d'y être du coup. Encore plus! Encore plus! Et ouais. Je reçois beaucoup de messages, qu'est-ce qui se passe? Ok. Les gens s'en foutent, c'est plutôt cool. Non, mais après c'est bien. Utilise l'option des links DCP. Non. Non, comme j'ai dit. Je sais que vous n'étiez pas forcément là au début du mapping, mais j'utiliserai pas l'option des links DCP pour une cohérence visuelle pour l'utilisateur et la personne qui va... Pour le joueur, en fait. Voulez-vous quitter? Non. Pas forcément, là, j'en ai pas très envie. Par contre, on pourrait la sauvegarder, à la limite. Voilà. Alors là, est-ce qu'on a besoin de panneau? Là, on a besoin d'un petit panneau qui dit « Allez, vite fait à gauche. » Voilà, qui dira d'aller là. Là. Oh, j'ai raté. Alors qu'en fait, je pense que c'est faisable. Pensez pour tous les gens qui se sont dit, bois, il y a le temps. Non, mais après, attention, hein. Toutes les places ne sont pas vendues. Il reste 2000 places. 2000 places, c'est quand même énorme. Mais après, les carrés or, je savais que ça allait se vendre tout de suite. Hein. Ça, pour le coup, j'avais prévenu. J'étais pas en mode, vous inquiétez pas.
Les carrières, il n'y a pas de problème, hein, si vous arrivez 10 jours plus tard. Non, non, je sais que les carrières, ça part toujours très vite. Mais voilà, c'est cam 2. Hein. Cam 1, c'est compliqué. Ah ! Tranquille. Putain, j'ai hâte de voir si quelqu'un arrivera à faire ça. Ah ! Je sais pas si quelqu'un y arrivera. Je pense que oui, mais... Oh ok. Ok, ok, ok. Donc un petit panneau. Il reste déjà 2000 places. On a déjà ouvert au palier de 8000. Ouais, ouais, ouais. On est déjà à la dernière jauge possible. C'est 7500 places assises, c'est pas 8000. Je m'étais trompé. On est déjà à la dernière jauge. Évidemment. Et bah, c'est incroyable. C'est juste incroyable en fait. Alors, peut-être faire un message. Là, je peux pas faire un panneau en disant... Ah, sauf si... Sauf si, sauf si... j'en mets un comme ça. Ouais. Si j'en mets un comme ça, en disant c'est en bas à gauche. En bas à droite, plutôt. Là, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, là, pour vous donner une idée, l'année dernière, en une soirée, on avait vendu environ 2000 places. Voilà. L'an dernier, en une soirée, on avait vendu 2000 places. Et cette année, bah là, on est pour l'instant à 5500. Voilà, yes. Et cette année, il reste 2000 places. Un vrai kraken, cette carte. C'est l'idée. Oula, il est trop près, ce panneau. Ah, quoique. Ah, quoique, ça rend le truc un peu tricky, je trouve ça pas mal. Si j'ai bien compris, le site n'a pas crash, incroyable. Et oui, le site n'a pas crash. Bien joué, d'ailleurs, Asie Event, qui a pu tenir la charge. C'est assez incroyable. Mais là, si je mets un poteau, ça va être un problème. Est-ce que ça va vraiment être un problème? Attendez, attendez, attendez. Ah non, mais je sais, on va mettre un petit poteau sur le côté. Voilà, un petit poteau comme ça. Voilà. Pas The Event, With Event. À quand le Stade de France? Ben jamais, hein. Mais, mais en tout cas, pour les Zéniths, ça commence à être du solide. On dirait quelqu'un qui est penché en avant et qui fait... qui vous présente le panneau comme ça, en étant penché en avant. À gauche. Tournez à gauche. Peut-être d'ici 15-20 ans. Ouais, 15-20 ans. En vrai, en un jour 8000 places, donc 10 jours 80 000. Alors ça marche pas vraiment comme ça, les billetteries de spectacle, mais... Hop là. À gauche. Tournez à gauche. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a autre chose? Non, là non, là non. Là on peut faire un panneau à la limite qui dit en haut à droite. Mais un peu bas du coup. Genre un petit panneau. Pas un gros panneau, parce qu'un gros panneau ça créerait la confusion. Ah non, ça va pas, ça va trop gêner le saut. Alors ça gêne moins. Non, peut-être pas comme ça. Ouais. À droite. En bas à droite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et si on relisait Xtopsy. Salut Zerator, pourrait-on avoir droit à un petit teasing des défis en finale ou c'est encore top secret? Alors les défis vous seront révélés le jour des qualifications, c'est-à-dire le 8 et 9 juin. Donc dans deux semaines, un peu moins de deux semaines. Non, un peu plus de deux semaines, parce que c'est dans longtemps les qualifications finalement. Et il y aura trois défis, trois nouveaux défis sur scène, évidemment. Évidemment des défis dans lesquels eh bien, nous impliquerons... soit l'un des deux joueurs, soit les deux joueurs, soit en même temps, soit à tour de rôle. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Les trois défis sont déjà déterminés, donc inutile de faire des suggestions. Unbelievable a dit, gros bisous à toi depuis le Québec, un plaisir de rédiger ma thèse avec du Trackmania en fond sonore, continue comme ça, merci à toi. FLXFR a dit, pour les gens de la team Resto, n'oubliez pas de vous faire un bon buy coffee en Alsace, c'est fantastique, la bise.
Et bravo Zera pour cet engouement. Décidément, je prononce rien comme il faut, je suis désolé. À quand le Stade de France a dit Taki ? Et Neutron a dit c'est trop bien, tu peux enlever les détails des autres cartes pour faire genre comme dans les jeux. Distance d'affichage réduite pour augmenter la fluidité, tout ça. Ouais, non, mais ça va, on va pas non plus le faire. Normalement, on est pas obligé. Baekofeu, ça se prononce comme ça. Ok. Ah, mais ça va pas, ce panneau il indique des mauvais trucs. Ok, faut l'enlever celui-là. Non, c'est dommage, il y avait un super poteau. Ah, ouais, mais lui aussi. Ah non. Ah non, non, non. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Attendez. Non, ça va pas. Au secours. Au secours, au secours. Ça fout la merde. Sauf si. Sauf si on le cache pour les autres. Genre là, ça le cache en vrai. Si je le mets là, ça le cache. Pas du tout. Pas du tout. Merde. Voilà. Là, ça le cache. Excellent. Maintenant. On copie ce truc. Et on fait ça. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Je me suis trompé de lien. Plutôt comme ça. Voilà, plutôt comme ça. Très bien. Elle a l'air d'être belle la salle. Ah merde! Merde, merde, ça aussi ça va pas. Faut le cacher pour les autres. Ah non mais du coup non, ça fout la merde. Ouais, tant pis, ah merde! On va mettre des panneaux sur le côté comme tout le monde hein. Il me faut un panneau quoi, gauche? Panneau gauche. Merde hein! On a des idées, on peut rien faire! Ça va hein. Ce sera un panneau comme tout le monde. Merde. Je vais faire des petits panneaux carrés pour changer un peu. Innover un petit peu, voilà. Et personne n'est content alors. Super. Super, super. Super, super, super. Ok. Bon, on a deux tracés. Trois tracés. On a trois tracés panotisés. Ça en fait des panneaux, hein, des flèches un peu partout. Mais tranquille. Tranquille, il n'y a aucun problème. Ah là, à la limite, on pourrait mettre un panneau flèche gauche. Pour semer un peu le, doute. Genre là, comme ça. Hein, comme ça, là, paf. Après 3 ans de bonheur à avoir assisté à toutes les finales sur scène, je ne suis pas sûr de pouvoir venir cette année. Je recherche donc un sponsor pour me payer un aller-retour Copenhague-Strasbourg. Ah ouais, ça fait loin. Mais en vrai, c'est très simple. T'as juste à te qualifier pour la finale. C'est juste trop facile, en fait. Si tu te qualifies pour la finale, t'es défrayé, nourri, logé pour la ZRT Trackmania Cup. Et en plus, t'as une super place, t'es quand même sur scène. Donc tu verras vraiment bien le spectacle. Donc c'est juste facile, pas besoin de sponsor, ça ne dépend que de toi. Voilà, donc allez on y va, hein. On roule les maps et on y va, hein. Ça ne dépend que de toi. Vous n'avez pas les moyens de payer la Trackmania Cup? Payez juste Trackmania. Il était pas cher du tout en plus, beaucoup moins cher qu'une place. Payez Trackmania, entraînez-vous et qualifiez-vous. Hein. Voilà, il n'y a pas y a pas de problème. C'est juste facile en fait, c'est du 2v2. Bah, vous trouvez un pote, qualifiez-vous à deux. Ouais, ça va, vous trouverez bien quelqu'un. Vous trouverez bien quelqu'un qui a 2-3 heures de jeu devant lui pour s'entraîner vite fait sur les maps là. En plus, maintenant les bons joueurs ils stream leur strat. Un aller pour Strasbourg City à 10€ sur Steam. C'est ça. Non, non, on vous défrait le retour aussi. Hein. On vous défrait aller-retour et hôtel sur place. C'est quand même pas mal, non? Franchement. Et je vous dis, en plus, maintenant les bons joueurs ils stream leur strat. Vous copiez tout, vous passez exactement là où il passe, vous faites les mêmes inputs. Si vous n'y arrivez pas, vous blâmez le fait que le jeu est RNG. Si vous y arrivez, vous les battez et vous les prenez en finale et puis voilà, c'est tout. En plus d'être défrayé, vous gagnerez même peut-être un petit peu de thunes. Avec la thune, vous allez à la boutique de la TM Cup sur place, vous achetez 2-3 trucs, un petit t-shirt, un petit tapis souris, voilà. Et voilà, nickel. C'est bon. Si on vient d'Australie, vous défrayez aussi? Yes, absolument. Oh, tu sais, on a des joueurs canadiens des fois, donc voilà. Mais oui, si vous venez, si les joueurs viennent d'Australie et qu'ils se qualifient, on les défraye. Hein. Ça change rien. Où vous soyez sur le globe, en tout cas sur Terre, on vous défraye. Donc pas de problème. Tu nous conseilles d'être à quelle heure devant la salle pour avoir une bonne place? Sinon, je te remercie pour cet event. Je suis tellement heureux, je t'adore, t'es le best. Quenix, à quelle heure je vous conseille d'être pour avoir une place? Pour être sûr d'avoir une bonne place, je te conseille d'être là à 9h.
mais en vrai, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Tous les ans, on voit des gens arriver hyper tôt pour faire la queue. Je crois que l'an dernier, on avait vu les premières personnes se pointer à 10h du mat pour 18h. Et ça commençait déjà à avoir une centaine, deux centaines de personnes vers midi, 13h. Donc voilà, c'est quand même... les gens, ils campent, quoi. Les gens, ils campent. Mais oui, les toutes premières personnes étaient arrivées à 10h du mat. Donc en vrai, si t'arrives à 9h, t'es sûr. Mais campez pas devant la salle. Hein. Vous amusez pas à ça, je vous le déconseille. Trois tracés en termes de panneaux. Quatrième tracé, c'est lequel? Ah, mais c'est celui-là, on l'a déjà fait. Non, c'était 1, 2, 3. On a fait celui-là. On a fait celui-là. Non, on n'a pas fait celui-là. On n'a pas fait celui-là. Il en manque qu'un seul, c'est celui-là en fait. Ah non, on n'a pas fait celui-là. On n'a pas fait herbe et celui-là. Il manque ces deux-là. Il manque celui-là et celui-là. Ok. Alors si vous arrivez en cours de mapping, c'est un peu compliqué hein, là à suivre. Soulève son troisième titre. Kruzgun, merci pour les 3 ans de sub. Tu soulèves ton troisième titre. Bravo à toi. Bravo à toi. Il y a besoin de panneau en fait là. Là par contre, je pense qu'il y a besoin d'un checkpoint. À mon avis, il y a besoin d'un checkpoint. Il y aura besoin d'un checkpoint genre là. Pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits filous qui s'amusent à cuter la partie champêtre. Bah, je pourrais mettre un cut là, mais ça gênerait un petit peu à l'intérieur. Effectivement. Mais ouais. Non, parce que je vous connais. Ils vont aller à fond. Ils vont taper cette barrière là. Ils vont aller au checkpoint là. Bon, voilà, on vous connaît. Hein, les Wingo, les machins, là, on vous connaît. Hein. On vous connaît tous. On vous connaît. Les Wingo, les machins, là, hein. Les Moments, les Carl Junior. Parce que Moment, il trouve des cuts maintenant. Hein. Attention, hein. Je vous en ai parlé au début du live. Moment, trouve des cuts. Là, il faut un panneau. Ah, là, il faut absolument un panneau. Jumper à gauche. Jumper en haut à gauche, les amis. J'ai au gauche. Je sais pas encore au gauche. Ouais, Moment a trouvé un cut. Hein. Ouais. Ouais, comme quoi, tout est possible. Hein. Dans Trackmania, tout est possible. Hein. De nos jours. Ah, en plus, ça fait un deuxième... Un deuxième E. À gauche. Ah non, mais non. Ah non, ça va pas. Ah non, mais là, c'est bon. On peut mettre un vrai poteau. Voilà. Génial, ça. Et là, on se fait un petit tuyau entre les deux. Paf. Génial. Bon, niveau contrepoids, niveau physique, c'est peut-être pas l'idéal. Hein. Là, là, au niveau de la physique, au niveau des forces, c'est peut-être pas... Hein. Alors que là, c'est bon. Non, c'est déjà trop complexe avec la pente. Alors que là, si on fait comme ça, et qu'on arrive sur un poteau middle, là, là-dessus, là c'est bon. Là c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Vachement difficile. Vachement difficile la Trackmania Cup. Bon là, ça gêne un peu, vite fait. Hein. Ça gêne... Je crois que ça gêne à fond. Je crois que ça gêne à fond. Attendez. Ah, c'est trop bien. Ah oui, alors par contre, parce que je vois Quave écrire sur le chat un truc très important. Si vous venez très tôt, le jour de la Trackmania Cup, ou même si vous venez dans, si vous venez 2-3 heures avant le spectacle et que la salle n'est pas ouverte, prenez de quoi vous couvrir du soleil. Alors je sais que vous allez être en mode, mais c'est à Strasbourg, MDR, pourquoi prendre un truc pour se couvrir du soleil? Eh ben écoutez, je vous aurais prévenu. D'accord? Donc MDR, Strasbourg, le soleil, lol. Donc faites ce que vous voulez. Moi je vous conseille de prendre un parapluie. Enfin un parapluie, un truc pour vous couvrir de la pluie, genre un orac. Et un truc pour couvrir du soleil. Parce que l'an dernier à Toulouse, c'était caniculaire. Et il y a des gens dans la file d'attente qui avaient rien pris pour se couvrir du soleil. On leur avait distribué de l'eau et tout, c'était galère. Mais il y en avait, ils étaient pas bien. Ils étaient pas bien. Il n'y a pas eu de gros malaise et tout, heureusement. Mais l'an dernier à Toulouse, c'était vraiment, vraiment, vraiment... très très chaud. Donc je vous le dis, ne jouez pas avec ça. Si vous venez à Strasbourg, etc. Si vous venez aux îles de Strasbourg dans la file d'attente pendant longtemps et tout, prenez vraiment de quoi vous protéger du soleil, protéger du climat en fait. C'était horrible. Ouais, c'était vraiment pas évident. Il faisait vraiment très chaud. Heureusement dans la salle il faisait frais, c'était cool. Mais voilà, donc faites pas les beaux avec ça. Bon les panneaux, alors c'est le bordel. Hein. Cette carte c'est vraiment le bordel. On arrive là, franchement t'arrives dans la session de mapping, tu vois ça. T'es en mode, ok, qu'est-ce qu'il a branlé encore? Une map du moins d'une minute, c'est ça, Zerator? Pas du tout. Pas du tout, excusez-moi. Pour ma vulgarité, je sais pas ce qui me prend. C'est parce que vous êtes des malades aussi, vous m'en faites perdre mon latin, là. Combien de places vendues actuellement? 5630, c'est incroyable, c'est juste incroyable. C'est un truc de fou. Bon, ça, c'est un peu difficile, mais tranquille, vous allez le régler. Hein.
Vous avez le régu. Teste le zigzag dans l'air, il y a moyen que tu aimes pas avec le CP. Zigzag dans l'air, ce truc là. De toute façon, je vais tout tester au fur et à mesure. Hein. On verra au fur et à mesure. Faut des panneaux finish à chaque fin par contre. On peut mettre un panneau finish là d'ailleurs. En fait, c'est ça qu'on va faire. Énorme. Énorme. Non, pas énorme. Pas énorme du tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va. Tout va bien. Oui, 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 oui. Tout va bien. Oui, c'est génial. Génial. Le zine de Strasbourg est exposé plein soleil. Prenez garde, effectivement. Bon, ben voilà. Le finish, il est juste là. Quand t'es au tuyau, là, que tu transpires, t'es là. Putain, je suis bientôt arrivé au tuyau. Yes, yes. Voilà, on vous a prévenu. J'espère que tout le monde, tous les gens qui viennent ont suivi ce live. C'est incroyable. On va tester ces cartes après, hein, hein. Voilà. Pas tout de suite, hein, mais on va les tester. Évidemment. Évidemment, évidemment. Voyons. D'accord. Désolé de casser l'ambiance, mais je voulais voir le live en attendant WoW Classic. Et j'avais oublié que quand Wanky Live ce soir, rien contre toi, mais j'aime, les jeux de... j'aime pas les jeux de course. Du coup, je voulais savoir si j'avais le temps. Troft, y a aucun souci, mais tu sais, en fait, c'est pas un jeu de course Trackmania, c'est du spectacle. Donc tu devrais regarder ce live et tu apprendras des choses exceptionnelles. Et en plus, tu passeras un bon moment. Moi, j'ai rien contre Wankill. Le problème, c'est qu'en fait, Trackmania, c'est le meilleur jeu. Alors, à moins qu'ils jouent à Trackmania, auquel cas, tu peux aller les voir. Je t'autorise. Mais sinon, non, je suis désolé, y a pas de, non, y a pas mieux. Hein, désolé. Malheureusement, il n'y a pas mieux. Donc, pardon. Hein. C'est quoi le délire cette fois-ci, All-in-One ? Non, non, mais calmez-vous avec ça. Vous inquiétez pas. Ah, il manque un panneau finish ici. Il manque un panneau finish là. Ok. Un petit poteau. Hop là. Comment ça, créateur de drama? J'ai dit que j'avais rien contre eux. Vous calmez quand même. Vous calmez des fois avec ça. Le panneau finish, c'est bon. Alors, ce tracé, c'est bon. On a fait des panneaux là-bas dans l'herbe. Non, c'était pas la peine, mais on en a fait un là. Yes. Peut-être que je vais quand même faire un panneau gauche. Un panneau qui dit full gauche. Mais je sais pas si ça rentrera sur la grille parce qu'on a mis de l'herbe un petit peu dans des endroits un peu complexes, un peu délicats. Et ouais, voilà. Et ouais, ben ouais, ben ouais. Ah, c'est rigolo ça. Ah, c'est rigolo, on va faire ça. On va mettre un panneau comme ça. Ça, ça me plaît, ça, c'est rigolo. Il est pile dans le creux. Ok. Il y a quand même une truc. Cut au start de la map 4. 1, 2, 3, 4. Non, je me rappelle plus. Si, c'était ça, la map 4. Cut au start de la map 4. C'était celle-là. Cut où? Non, mais de toute façon, on va voir. On n'en est pas là. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Faut un CP sous terre. Il y en a peut-être un, je sais plus. Ah oui, là, non, là, oui, c'est toujours ce problème de cut là. Oui, oui, pas de problème, pas de problème, je sais, je sais. Je suis au courant. On va très probablement mettre un CP rond là parce que c'est marrant. D'accord? On va très probablement faire ça. Pas dans ce sens, comme ça. Parce que c'est marrant. On va très probablement faire ça parce que c'est très drôle. On adore l'humour. Cela dit, ça fait quand même un cut et tu passes là. Ouais, non, du coup, c'est chiant. C'est vrai que vous êtes chiant, hein, les gens qui cut là. On est obligé de le mettre comme ça. Putain, c'est chiant. vraiment chiant. Mais on verra tout à l'heure. On verra quand on la valide. De toute façon, on n'en est pas là. Calmez-vous. Il faut mettre des chiffres à chaque départ pour savoir quelle map c'est. Mais non, c'est pas grave, puisque de toute façon, il n'y aura qu'un seul départ par map. Calmez-vous. Oh. Bon, est-ce qu'on est pas mal là? Il manque le dernier tracé pour les panneaux. Et ensuite, on fera une vidéo entière de validation, mesdames et messieurs. Et ce sera formidable. Oui.
C'est quoi le... Ah ouais. Merci pour les 1 an de sub. Et la déco? Bah la déco, c'est la map elle-même, la déco. Je pense qu'elle est déjà assez lourde comme ça. Ah, par contre, on va peut-être mettre de l'eau partout où il n'y a rien. C'est un de ces bazars. Ah ouais, c'est le bazar. J'aime bien délimiter la map avec de l'eau. Au moins, on sait ce qui est à peu près roulable ou pas. C'est quoi ce spaghetti sur l'écran? Mais non, mais c'est pas vraiment un spaghetti. Non, mais tout ça est extrêmement réfléchi, vous savez. C'est un concept incroyable. On arrive à tout relier. Tu pars en Nocturne Wood tout à l'heure. Très probablement, même si c'est jamais sûr à 100%, mais sûrement une petite Nocturne histoire de faire un petit peu de pexing pour arriver au level 28. Ouais, petit poteau là. C'est dégueulasse tout ça. Non mais... Ah là on peut pas tenir les tuyaux. Désolé. Un stand de vente de parasols Trackmania prévu à Strasbourg? Non. Non. Ça suffit avec les produits dérivés. Nous en avons bien assez. Demandez les parasols Trackmania Cup. Yes. Yes, yes, yes. Attendez, attendez, hop là. Ah, il me supprime tout. Ouais, c'est chiant. Alors que oui, on veut juste supprimer ça. Ok. Ah, désolé, ça prend un peu de temps, hein, mais la patience est mère de toutes les vertus. Des fois. Dis-donc, moi, je fais ça pour vous. Hein. Je fais une map courte. Ah non, je fais pas une map courte, j'en fais 5 par contre. Ah, il faut suivre. Hein. Ah, il faut suivre. Hein. Là, si on est d'arriver sur le live, je peux rien pour vous. Merde. Est-ce qu'on peut aller chercher l'eau d'un autre passage là? Je pense que oui en vrai. Si on pose les blocs bleus. Assez peu de barrières. Et non, pourtant on en a. Hein. On en a quelques-unes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été sur la folie des barrières hein, sur cette carte là. Mais on en a quelques-unes tout de même qui subsistent, qui survivent. Bon bah là, allez, on y va. Hein. Paf! Et ouais, je sais bien. On avait oublié un. Un bloc. Tiens, voilà, on va le laisser comme ça celui-là, tiens. Hop. Voilà, il n'y a pas de raison. On s'en le rajoutera plus tard. Tout ça, ça flotte évidemment. Enfin, ça flotte. Non, ça vole. Ça ne flotte pas encore, ça flottera plus tard. Je place d'abord l'eau et ensuite. Et ensuite le lore. L'eau puis le lore. Ah mais là on peut là! Regardez, hop, 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 et hop. Et voilà, c'est relié. Trop bien. Trop, trop bien. Puis les cuts, oui, puis les cuts, en effet. Tu as tout à fait raison. Ah non, non, au secours! Non, un cran avant. Ah oui, mais un cran avant, on s'en fout. Ah non! Ah non! On est passé tout ça en mix. Putain, ça enlève tous les parasols. Putain, c'est sévère. Sévère comme comme editing. En vrai, ça va faire une map hyper stylée. On pourrait faire des petits passages là avec des petites. Nickel. Ça avait coupé en part égale dès le début. Évidemment. Ok. Ça me paraît bien. Maintenant, faut éviter de faire flotter tout ça.
Alors. J'ai entendu la donation, je vais la lire. Donnez-moi une petite seconde. Un peu plus une seconde. Oh merde. Alright. Là ça flotte un peu ça, hein. Ouais, ça flotte un peu. Oui. Alors, et les petites configs. Ah non, je m'en moque, je suis au Zénith. Morse Rod, bonsoir, bon mapping, bonne nuit. Ah, carrément, bonsoir, bon mapping, bonne nuit. Tu aurais pu acheter bonne année, joyeux Noël et tout. Ça, on avait toute la panoplie. Merci à toi. Bonsoir, bon mapping, bonne nuit, bonne année. Merci à tous. Bon, tout ça, ça flotte, mais on s'en tape. Ouais, on s'en tape de ça. Je vais juste mettre un petit poteau là. Parce que celle-là, on peut mettre un poteau sans gêner. Et là aussi d'ailleurs. Ah non. Le départ. Et ça, ça flotte. Bah ouais, ça, ça flotte. Ça, ça flotte. On dirait une map tech, vous avez vu. En vrai, là, tu supprimes tous les départs sauf un. Tu supprimes toutes les arrivées sauf une. Ça fait une map tech. Bah yes. Énorme. Un CP qui vole produit déjà plein du milieu. Ouais, je sais. Je pense pas qu'on va régler tous les problèmes de l'or hein, de cette carte. Vu en plus. Ah oui, parce qu'il est entre deux. Il est entre deux. Bah, tu sais quoi, regarde. Hop. Des petits gradins comme ça. Voilà. Des gradins qui tiennent le checkpoint là aussi. Parce que là, ça gêne pas, on s'en fout. Ah, par contre, là, ça va peut-être créer du cut. Ah, mais non, remarque, le checkpoint, on s'en fout. Ok. De toute façon, là, ils volent tous les CP globalement, non? Ouais. 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 Et ouais, c'est pas des gradins d'ailleurs, c'est des trucs qui tiennent des checkpoints, voilà, c'est comme ça. Ah, un truc qui flotte là. Quand on les voit, on va les faire, mais en vrai, là on va avoir du défaut de l'or. Je comprends rien à la carte. C'est normal. C'est parce que c'est une œuvre inachevée. C'est un début. C'est un début. C'est normal. Très bien placé. Normalement, ça gêne rien d'autre, je pense. Le checkpoint holder, exact. Ok, it's a whip. Exact. Il me triole avec les panneaux qui flottent. Il n'y en a aucun. Ah si, ceux-là ils flottent un peu. Ceux-là ils sont posés sur le truc en fer, donc pas de problème. Mais les autres c'est bon. Ceux-là ils flottent un peu. Ouais, bon, on peut. Vous savez qu'on peut arranger ça, il n'y a que ceux-là qui flottent finalement. Les panneaux Trackmania sur les CP. Plus tard, à la validation. On a déjà parlé de tout ça. Alors, voilà, ils tiennent tous. Génial. Poteau qui vole près du wall ride. Ça, c'est possible, ouais. Je le vois pas parce que je suis aveugle. Et il est là. Joyeux Noël, bonne année, joyeux SPAC, j'en passe. Un panneau des panales, bien sûr. Merci à toi pour les beats. Morse Road. Un jour, la DO créera des CP avec des panneaux intégrés juste pour certains. Et des poteaux intégrés, peut-être. Normalement, tu peux linker les CP entre eux. Alors, toujours pas, hein. On a déjà parlé de ça également. Je sais qu'il y en a qui viennent d'arriver, mais on a déjà parlé de ça. Le link de CP ne nous intéresse pas. Non plus. Il y a un poteau qui tient rien du tout. Bon, ça, c'est pas très grave, ça. Moi, je suis dans le mapping et je vois rien qu'au niveau du mapping, c'est un bordel. Bon, on est bien, là. Je pense que là, on n'est pas trop mal. A mon avis, on est bien. Musique un peu forte, peut-être. C'est tout à fait possible, en effet. Tout à fait possible. Évidemment. Voilà. Bon, elle est bien, hein. C'est beau, hein. Bon, YouTube, c'est la fin de cette VOD, hein. Qu'est-ce qu'on a? Combien de places? On est à combien de places vendues? 21h56. Ça fait 2 heures que la billetterie est ouverte. Et il y a 5700 places vendues. C'est un truc de fou.